Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle session de Star Wars Fallen Order en difficulté Grand Maître Jedi. Il me semble qu'on va devoir retourner sur la planète Zepho, sur le chantier de l'Empire. On avait fait à peu près l'exploration qu'il nous restait à faire après avoir récupéré la capacité, surtout le piratage, pour BD 1. J'allais dire BD SM, mais c'est parce que je regarde trop les rediffs de Mister MV en ce moment sur Star Wars Jedi Fallen Order. Mauvaise influence, bien sûr. Alors, si vous me laissez un peu de temps, je vais juste faire un petit tweet et le message sur Discord. Alors, le petit tweet qui va bien. On va peut-être me faire un message Discord vu que je suis sur Discord. Salut à tous. Nouvel épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. De 19h à 21h. Toujours en difficulté. Grand maître Jedi at everyone. Et on n'oublie pas la petite adresse Twitch. Tac, voilà qui est fait. Tac, je l'envoie. Pareil sur Twitter, la même. Le TV1, bien sûr. Le petit gif, alors on va mettre quoi? Star Wars, bien sûr, un gif Star Wars. Ouais, ce magnifique gif, hein. Ah, j'ai oublié de mettre les hashtags, quelle erreur. Quelle erreur dans la communication du streamer français. Je vais me permettre d'augmenter la musique. De couper la musique. Hop. De mettre le son du jeu. Tac, à fond, Star Wars Jedi Fallen Order. Et on va continuer cette aventure tout de suite. Hein. Alors je me souviens plus où on s'est arrêté. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à explorer. Ah par contre l'overlay qui est pas bon du tout. Qui est pas bon du tout. Ah, attendez, il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'on va pas mettre la cam ici. Alors, attendez. On va attendre que ça se charge. Alors, il y a une mise à jour de Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, hop. Je vais juste me permettre de mettre ça ici. Ah oui, on s'est arrêté. Ah ben, si, je me rappelle très très bien. On s'est arrêté ici après avoir tué l'araignée albinos. Je sais pas s'il manque beaucoup de... Ah, il y a un secret ici, par contre. Comment y accéder? Est-ce qu'on cherche à explorer les derniers secrets? Attendez, ça, est-ce que j'ai fait un truc ici? L'idéal, ça serait de rejoindre le tram pour retrouver notre vaisseau. Attendez. De me rappeler hein. Non, il y avait ouais. Faut rejoindre cet ascenseur. Alors par où je suis censé passer pour revenir?
Bah si, je me doute assez bien d'où il faut passer. Par ici. Ah putain, je suis trop con. Salut Roma, comment vas-tu? Ah, c'est ça, ça fait plaisir de voir des gens qui stream pas pendant Burger Quiz. Eh ben tout à fait, parce que on a le sens des priorités, surtout un Burger Quiz avec Dominique Farrugia, quoi. Je sais pas, il faut respecter les gens, quoi. Faut respecter les gens, donc ça on revient juste ici. Tac, tac, tac. Ah, ça faut que je l'arrête au bon moment. C'est-à-dire pas là. Bah ouais, non mais j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Non mais on est d'accord que la gravité c'est le pire ennemi du jeu. Je médite ici, ouais. Même si normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je dis ça, mais... ah oui, c'était par ici. Ok, donc on avait fait la phase de l'ascension, on avait vaincu le boss. Hein. Donc on va juste retourner au tram. Voilà, nickel. Le pire ennemi du jeu, c'est les boucs. Bah franchement, alors, je l'ai rencontré, je sais pas, sur la planète, et ben justement aux défauts. On peut pas dire qu'il m'avait posé tant de problèmes que ça. Donc peut-être quand je vais y retourner là maintenant. Ça sera une autre limonade. Mais pour le moment, non, franchement, ça va. Après, franchement, alors, j'ai pas trouvé d'ennemis pires que les autres. Globalement, quand tu connais le pattern, c'est assez facile. Alors, tranché. C'est par là qu'il faut que je passe, ouais. Bon, du coup, je me dis que si je retourne du côté de... Ah putain, je suis con. Est-ce que je suis un connard? Je pense, oui. Même les petits gardiens qu'il y avait dans le temple, franchement, je peux pas dire que c'était non plus insurmontable. Voilà, c'était ici que je voulais aller, exactement. Après, je sais pas où j'en suis dans le jeu, si je suis à la fin, au début, à moitié. Mais pour le moment, ouais, non, quand tu connais bien... Maintenant, pour... Ok. Donc on va retourner sur Zepho. Retour sur Zepho. Et puis ce qui est bien dans Star Wars Fallen Order, c'est qu'il faut pas connaître les types de... une table des types, donc ça c'est cool. Ouais, dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match en jeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Par contre, il y a un truc qui me... Des jours, la nuée d'action va tomber dessus. C'est qu'il y avait la forêt sur la planète Zepho. Et on n'y est pas allé. Je crois que c'est la forêt obscure dans... Non, pas sur Zepho, sur... Je sais, t'as raison, t'inquiète. Ici. J'ai juste besoin d'évacuer la sur pression pendant temps, je crois, un truc comme ça. De toute façon, alors, je sais pas si on devait y aller ça. Maintenant ou après. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Ouais, mais j'ai des soucis avec les noms. Star Wars et Pokémon, même combat, ouais putain. C'est ouf, hein. Non mais là j'ai bien compris qu'on allait du côté de Zepho. D'Atomir et l'autre c'est quoi? C'est Bogo... Ah non, j'ai du mal. Ouais, le sauveur dégueu, je sais. Attends, je sais pas ce que j'ai en personnalisation. Nouvel objectif, ajouter à l'holocarte. Alors, c'est où qu'il faut aller? Ah ouais, c'est bien plus loin. D'accord, ok.
Alors, personnalisation, je vais regarder s'il y a moyen de faire quelque chose. Personnalisation, Mantis. Ah, c'est vrai qu'il est bien comme ça. Je vais mettre comme ça. Alors, attends. Est-ce qu'elle va nous dire par où il faut passer? Le monde natal des Effaux. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas s'il n'y a pas de passé. Ok. Donc, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Non, je crois pas. Ah si, il y avait toute cette partie. J'espère qu'il faut juste pas retourner sur le... On va pas devoir tous retaper. Ah, on devrait peut-être aller vérifier. Ah super. Ah, je m'en occupe. Chargé. Vas-y. J'arrive pas à le toucher. Putain. Connard, tu trouves. Jedi touché. Putain. Attends, je joue mal. Excusez-moi. Ok. Vous le regretterez. Douleur infligée. Ah non, je pensais c'est sorti. BD, l'instime, lance. Putain, il reste un coup. La voix de K est deux fois plus forte. Alors, je sais pas si je peux peut-être le régler. Mon côté, attends, audio. Volume. Dialogue, c'est ça? Peut-être les dialogues, je peux les baisser un peu. Après, j'ai fait mes petits réglages aussi. Hein. J'ai fait ma petite popote. Ok. Ah, par rapport aux autres voix? Ah, bah, du coup, bah. Promets qu'on m'avance. J'ai mis à 100%. Alors, attends. Le piratage, tu as débloqué après avoir fini le jeu. Comment c'est possible? Comment c'est possible ça que tu... Parce que c'est au niveau de l'histoire principale. Tu dis pas de bêtises que tu as récupéré le piratage. Il est super planqué. Oh. Mais de toute façon, si, t'es obligé de l'avoir. Piratage. Ok. Ah, c'est vrai, il faut que je laisse appuyer sur le... Sur le contre. Ah, mais d'ailleurs, il y a un truc à récupérer là-bas. Attends, je dis pas de bêtises. Ah, attendez, attendez. Là, je l'ai récupéré ou pas? Ah, super. Putain. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Ah, le piratage des droïdes. Oh, t'as trouvé quelque chose? Ah, bah pourtant c'est pratique. Alors, je me rappelle plus exactement où je l'avais chopé. Mais... Je me sens pas bien, BD. Mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir tant fouillé que ça pour obtenir. Ah, attendez. Ennemi localisé. Ouais. Parade parfaite. Il esquive. Ah, excusez-moi. Ah, putain, il faut ça me saouler celui-là. J'ai pas besoin d'aide pour te tuer. Aïe. Bah, c'est un peu dû à la reprise. Sur Kashyyyk. Putain, je me rappelle déjà plus. Mes excuses. Hein. Donc, ça, normalement, on avait un raccourci par là. Attends, mais il y a des trucs que j'ai pas récupéré. Regardez, il y a un peu de. Putain, j'avais pas ressenti cet écho ou c'est. Où est-ce que vous nous emmenez?
Les impériaux ont capturé les villageois. Ah, du coup, c'était pas sur Zepho. Effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Nouvelle donnée, expulsion. Alors. Ok, d'accord, il y avait ça. Déjà, j'espère que c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille. Hein. Je vais m'entraîner à la parade parfaite. Bon, pour le moment, tout se passe bien. Alors, j'avais débloqué pas mal de raccourcis dans cette zone, donc j'espère que je vais vite pouvoir retourner. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Se reposer, oui. Attendez, si je regarde la carte, de toute façon il faut que j'aille là où j'ai pas débloqué les trucs. Ouais, je pense qu'ici, voilà, il y a plein de trucs qu'on n'a pas visité. Je pense que c'est quand même par ici. Complexe de turbine. Donc là, il y a peut-être un truc, non? Ouais, j'avais déjà activé, du moins. Ah, j'ai cru qu'il y avait une cinématique qui allait se lancer. Non, c'est juste de l'eau. Ah bah tiens, je me rappelle ça. Ok. Ah, cette zone de malheur. Putain, bâtard. Ah, je suis peut-être un peu court. Tu sais que t'as des pouvoirs. Ouais, mais je les utilise pas trop. Pas sur les petites rages. Elle est ici. Ok. Et ça passe. Ah, voilà ton ennemi favori. Par contre, sur lui, oui. Quoi? Bah ouais, mais bon, ce qui compte, c'est que ça passe. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, putain. Mais ah non! C'est tellement abusé. En plus, d'accord, super. Oh, mais non, mais. Il arrête pas d'esquiver! Hé, BD! Mais c'est pas possible! C'est quoi ce gangbang? Tu passeras jamais cet avant-poste! J'ai besoin de toi, BD! BD! Putain, mais ce gangbang, quoi! Ok. Ok, pas visé d'ici. On est trop fort pour lui. Lâchez rien. Mais putain, pourquoi? Ok, il m'a saoulé. On poursuit le Jedi. Ça va, vous m'avez saoulé, hein. Le dernier rocket trooper. J'en suis pas sûr. Loupé. Ouais, mais je les économise mes pouvoirs. Oula. C'est un ennemi un peu relou. Alors, ok.
Donc là, il y a le... Ah, je pense pas que j'ai la... Pour, Ouais, je récupère de la force, mais je récupère pas des, des masses, hein. Allez, on y croit. Ok. Petite méditation. Petit repos. Un point de compétence. Qu'est-ce que j'ai à mettre? Bah deux combos renforcés. Je vais prendre ça. Allez hop. C'est vrai, oui, j'aurais pu renvoyer la roquette. Ouais, non, mais t'as raison. Mais... Ah merde, j'aurais pu passer. Est-ce que je suis full con? Ouais. Je suis full con. C'est pas grave. Waouh. Ça doit être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Allez. L'ennemi se rapproche. Je vais voir ce que je peux faire. Putain, mais ça marche pas aussi. Un steam BD. Ça, je vais essayer, ça. Mais putain, ouais. Oh là là. BD, steam. C'est la pire stratégie. On va faire à ma façon. Vas-y, mais viens, toi. Allez, viens te battre. Là, je suis foutu. Ah putain. Faut pas la charger, t'appuies juste sur la touche. T'es court. Là oui d'accord, j'aurais pu revenir ici. Bon ça va. Le retour est assez... assez rapide, j'ai l'impression. Ah, attendez. Ah, merde. Là, je pensais que j'aurais pu sauter. Hop, pas ici. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, super. Ah super, mes meilleurs amis. Ah putain, mais je suis encore à votre tour, hein. Alors, par contre, faut vraiment, je me rappelle où je dois aller. Ah là, il y a une porte que je peux débloquer. Le Jedi. C'est trop rapide. Vas-y. J'ai brisé sa garde. Nickel. Un vrai commandeur. Et ouais, je suis un Jedi. Bon. Normalement, pas loin d'ici. Ah déjà, il y a un truc qu'on peut, qu'on va pouvoir faire. C'est le piratage. Voilà. À toi de jouer, BD. Un petit coffre. Beau boulot, BD. Je suis ravi. Je vais avoir droit encore à un cosmétique, oui. Useless. Voyons voir ça. Voilà, super. Ok. C'est où que j'ai. Ah mais attendez, j'ai un raccourci par là. Où je. Ah non. C'est un peu plus haut. Ah, je vais passer par ici. Hop. Hop, la petite méditation. Mais moi, j'ai un problème avec les touches. J'ai tendance à les... T'as une zone inexplorée, attends. Est-ce que je me repose? Voilà, je me repose. Alors, attends, tu me dis, j'ai une zone inexplorée. Ah oui, ici, exact, en face.
me repère. Une zone. Alors, eux ils sont faciles. Alors, je sais pas du tout si c'est là qu'il faut que j'aille. Hein. Ok. Attends, zone inexplorée. Si, c'est par là, j'ai l'impression. Non, c'est en bas. C'est en bas. Enfin, je crois. Voilà le Jedi. Tu nous paieras ça. Ah, super. Non mais Nick, sale bête. Sale bête. Je briserai ta garde. Salut Yevendil, comment vas-tu? Alors attends, tu vois, une zone inexplorée. Ouais, donc c'est... Attends. Est-ce que c'est en bas? Non, c'est par ici. C'est par là, non? Ouais, c'est par là, j'ai l'impression. Non, mais j'étais pas sûr que ce soit ici. J'avais vu la grotte, hein. Serré, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ah, ça me dit quelque chose, Coruscant. S'intéresse aux Zepho? Peut-être. Ostar. Villageois a été blessé, mais il a eu un Stormtrooper. Preuve d'une altercation. Ok. Donc là on pirate. La porte. Beau boulot, BD. Ah mais celui-là il faut le choper direct. Ah désolé hein. Et ils m'ont carrément pas calculé. Ah, attends. Merci BD. Là est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, ça doit être un ascenseur, je pense. Vas-y, mais tire-moi dessus. Je te lâcherai pas. Vas-y, les autres aussi, venez. Ah. Ah merde. Trop tôt. Bon ça va. Hey, BD, c'est de monstre. Comment ça? Putain il m'a fait peur. Donc là-bas il y a une porte. Qu'on peut ouvrir, attendez. On va la pirater direct. Ah c'est un petit raccourci. Donc ça c'est nickel. Je vais méditer mais je vais pas m'en reposer. J'ai encore pas mal de Steam. Ok, un petit coffre. Ah non, c'est un écho. Ne vous préoccupez pas d'un artefact manquant. Je m'en chargerai moi-même. Officier Crane. Crane. Eh ben écoute, ça va bien, moi. Ah, je peux interagir. Ok, donc c'était bien un ascenseur. Écoute, ça va très très bien. Petit live Star Wars Fallen Order avant Burger Quiz. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il demande? Ok. Par contre, il y a des trucs que j'ai pas exploré encore. Je sais pas. C'est pas grave. J'aime pas cette zone. Ça sent le boss. Ah non, ça sent la plateforme. Donc, je suppose qu'on peut s'approcher ici. Hop. Tu connais des blagues, BD? Putain, merde. Je sais pas. Pourquoi? Très bonne blague. Classique. Oula. Ça sent la merde. Comme je vous ai dit que ça sentait la merde. Voilà. La plateforme, c'est ma grande passion. Il doit bien y avoir des informations sur les fouilles à l'intérieur. Tu es toujours aussi optimiste. Merci, BD. Oula.
Je sais pas, là, ça sent aussi le... Ça sent le plan cul. Ah bah ouais. Steam BD. Je me sens beaucoup mieux. Alors, tiens, ça donc. Qu'est-ce que c'est? Bire-toi! Ça, c'est mes... C'est les heures passées sur Dark Souls 1 qui reviennent. Ah, ça, c'est... Les heures passées à mourir sur Dark Souls. BD! Bon, j'ai utilisé la force. Mais non, mais... Comment ça? Putain, j'ai plus de force. Oh, oh non, je crevais ici. Après, je préparais aussi, hein, comme un connard. C'est pas interdit, hein. Putain, je crevais. Oh là. Ah, putain, j'ai... C'est pas... Bon, il a pas l'air compliqué. Ah, c'est ce kick dans les gencives, le petit... Un petit German suplex qui était bien sympathique, hein. Ok. Normalement. Ah, putain. Qui a ouvert la porte? Il faut juste que je me concentre. On va prendre notre temps. Ok, la porte qui s'ouvre toute seule. Salut Yabobo, comment ça va? Allez, tous sur lui. Ok. Bah ouais, rip. Alors du coup, c'est quoi comme race, Iruma? En plus, je dois me taper toute la phase de plateforme. Je suis refait. Quoi? Mais c'est un... il est noir, ça veut dire qu'il est méchant. Non, mais je crois qu'il appelle pas les des potes à lui. C'est parce qu'il est noir, c'est ça? Bah carrément. Il y a beaucoup de racisme dans Star Wars, hein. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des trucs à explorer? Non. Un peu plus haut, mais je peux pas y accéder, ouais, c'est ça. Bon, allez, on y croit. Pour le first try de cette phase de plateforme. Bravo. Quels skills. Ah, mais un R2-D2 noir, moi, ça me pose problème. Surtout sur un vaisseau de l'Empire. Ok. Saute. Lance-moi un steam. Je prends un steam, ça. Bien, c'est vachement greedy. Mais c'est pas grave. Oh punaise. C'était la roulade de la dernière chance. Ah mais putain, ouais, d'accord. Mais... Aide-moi, BD. Bon, je suis désolé les gars, mais... Je vois un ennemi. Non mais c'est... Non mais non. Je tente un tir. Ok. Tirez sur l'ennemi. Ils sont relous. Concentrez vos tirs. Occupez-vous. Putain, mais ils sont relous. Tirez, restez mobile. Je peux le rattraper. Tirez. Bon. J'ai une ouverture. Ils nous descendent là après l'autre. Je te lâcherai pas. Alors, on va faire comme ça. Tirez pas n'importe où. Lâchez rien. Ah! Je
J'ai loupé combien de morts? Bah t'en as loupé une je crois. Une petite mort. D'accord, là-bas il y a un point de... Il y a un petit point de méditation. Putain, par contre là-bas j'ai vu qu'il y avait un truc, une grosse porte verte. J'ai pas ouvert. Un vaisseau de l'Empire. C'est pas un vaisseau de l'Empire ça? C'est pas ça ressemble? Non? Ok, donc ça. Pour enlever le piratage. Je sais pas où aller. T'as l'impression de... Ouais, c'est peut-être pas un vaisseau, oui. Ok, là je peux pas y accéder. Bon, bah j'ai pas le choix. Bon, un petit truc de sauvegarde, s'il vous plaît. Ça serait bien urbain de votre part. Ok. Alors... Ça, je peux le désactiver. Bien joué. Donc là, je peux... Attendez, j'ai quoi? J'ai un truc, je peux pas y accéder. Attends, déjà, je vais faire ça. Ah, super. C'est tout? Un vaisseau incrusté en montagne. Bah, peut-être, hein. Tu peux le faire, BD. Non, mais dans Xenoblade, c'était le cas, il y avait un vaisseau qui était incrusté dans la montagne. Pile ce qu'il nous faut. Ouh là là! Pile ce qu'il nous faut, il n'y a pas un petit point de sauvegarde? Parce que j'ai vu un ennemi qui était assez différent des autres. Attendez. Là, j'ai l'ascenseur. J'ai un ascenseur. Est-ce que ça a un intérêt de... Ah, on a débloqué un raccourci. Bon. Du coup, ça va un intérêt de faire ça. C'est le raccourci à l'entrée. Bon. Et ben... Let's go, hein. Alors, est-ce que c'était le même Jedi qu'on avait vu... sur la planète Grishmik. Regardez là. C'est un boss ça. Ah, ça sent le boss. Est-ce que j'y vais avec deux? Ouais, j'y vais comme ça. Je te vois, Jedi. Rapide. Ah bah attends. Tu ne gagneras pas. Je l'ai en ligne de mire. Lance un steam. T'es trop lent. Attends, est-ce que je peux... Un peu de finesse. Ok, le fait deux fois. La douleur ne m'a... Hey, d'où il fait ça? Non mais de loin j'ai cru que c'était, c'était une sorte de Stormtrooper. Donc ok, on a fait ça. Quel intérêt? Ah si, ben, l'intérêt c'est de pouvoir passer de l'autre côté. Putain, j'ai oublié de sauter. Loul. Point de méditation, s'il vous plaît. Aucun signe du tombeau? Non, et l'Empire a renforcé la sécurité. Alors là, reste qu'est-ce concentré. Qu'on a? Fais attention à lui, BD. D'accord, on continue. Ok, donc j'ai pas trop le choix. Super. Ah, il y a un point de méditation là-bas.
C'est dire qu'on a déjà exploré ce petit. Bon, du coup, comment ça va, Yabobo? Ah, mais je t'ai déjà demandé, je suis con. Désolé. J'ai pas vu que t'avais répondu. Bon, pour moi, ça se passe bien quand même, hein. Franchement, bon. Par contre, ça m'embête, c'est que. Regardez là, il y a plein de trucs que j'ai pas pu explorer. De toute façon, c'était tout rouge, donc je pense que je pouvais pas faire grand chose d'autre. Donc, on va continuer. Dans le bon sens, c'est encore mieux. Site du crash. Ah, attendez. Alors, est-ce qu'il faut que je me jette? Bon, je vais essayer de me jeter, mais sans moyen. Ah, bah voilà. Ok, donc là, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Ici. Là-bas. Donc, ah oui, c'est... Je sais pas, regarde, t'as vu comment ça fait avec... Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un c'était bien un vaisseau, Iruma, regarde. C'est un destroyer. Je vais essayer de l'atteindre. Ou je fume du mauvais shit. Je dirais Mister MV. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité... Les clones du Venator? Ah, tout à l'heure, c'était pas un vaisseau, d'accord. Mes excuses. Est-ce que j'ai intérêt à aller... Ah mais il y a ça. T'as vu? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. T'y vas? T'y viens pas, pauvre tâche. Ouais, ça va, hein, scam, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ça sent... le boss. Je dis tout en ça, mais finalement, j'ai cru comprendre que sur le jeu, il n'y avait pas beaucoup de boss. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Oula. J'aime pas trop ça. Attends. Pourquoi? Attendez, là, il y a un truc. Non, c'est peut-être les reflets de l'eau. Regardez cette paroi, elle est... je sais pas, elle a l'air bizarre. Il y a comme une vieille odeur d'huile. Ah. Visiblement non, des gens qui ont fait des frites. C'est cette eau. Ah super, un point de méditation. Mais je sais pas du tout si je vais dans comment ça s'appelle, dans le sens de l'histoire, si je vais dans un truc annexe. Ah, attendez, là déjà. Je ressens l'écho. Allez. Oula. Mais visiblement, il y a eu des cris. Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. Les cavernes de glace. Donc là, il y a un passage. Attendez, il parle d'ici. Fais voir ça. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Faut pas accéder ici. Joli scan, BD. Ok. Jouer et mener. Ah, ça fait plaisir. Oh. Comment ça? Vas-y, mais va tuer. Attends. Ah ben voilà, ça marche tout de suite. Oh, un book. Ça doit faire plaisir à Iruma. Ah, il y a un petit tram là. Le petit tram des profondeurs. C'est qui a marqué? Là, il y a un point de méditation.
peut-être débloquer un raccourci. Zuba. À tes souhaits. Bon, du coup, Lyon, combien? Troisième ou quatrième pour le moment? Ça me ferait tellement plaisir qu'ils se qualifient en Europa League, que nous aussi, bon, ce qui serait miraculeux. Et qu'on ait un petit Saint-Etienne-Lyon en quart, je crois. Putain, mais c'est long, ce truc, hein. Ah d'accord, c'est un raccourci qu'on a débloqué. Non, attendez. Je suis pas sûr que ce soit un raccourci. Non, parce que ça, on l'a pas fait. Hein. Voilà, on n'a pas exploré ça. Donc pas du tout un raccourci. C'est par là? D'accord. Raccourci débloqué. Putain, mais je suis perdu, les gars. Ah. Attendez, c'est le vaisseau, ça? Putain, un sacré raccourci, hein, d'accord. Ok, bon. Très bien. Hey, m'aider. Son deuxième... Ok, malheur. Alors. Attendez, je vous aime dire que je peux pas revenir? Allez, sous de ma gueule. Attendez, je peux pas revenir? Je peux pas revenir avec le tram? Non. Putain, y'a un bouton que j'ai pas vu. Parce que quel était l'intérêt de le remettre ici? Mais attends, je vois pas le bouton. Réfléchis, bordel. Mais je peux passer par ici, je pense. Mais est-ce que c'est la... Je vois pas, en tout cas, je vois pas de bouton. Quoi. Non, je peux pas passer, il faut que je passe de l'autre côté. J'ai fait le tour. Ce qui se passe là-bas. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, et comment? Non, mais c'est abusé, ça. Bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais bien. Ok, donc si je veux le prendre, il faut que je le rappelle d'ici. Avec ce bouton, c'est ça? Parce qu'il doit aller que dans un sens, voilà. Ah, ça va rappeler le truc, ok. Tu glisses et tu... Ouais, mais en fait je pensais que je pouvais revenir par le tram. Et du coup en fait on peut pas revenir, il nous amène que dans un sens. Et d'ailleurs salut à toi, John Rességuier. J'adore ce pseudo, hein. Si ça fait référence... Bon, commentateur de RMC, c'est du génie. Bon. Mais non, mais j'ai trouvé, c'est toi qui m'as dit réfléchis, et je croyais qu'il y avait un bouton pour l'appeler. Et la tête alouette. Bon, je sais pas ce que tu trouves de bizarre à ces boucs, Hiroma. Ils sont... Ça fait gentil. Ah, mais il y en a un autre ici. Ok. Ah, c'est juste ton nom, d'accord. Ok, bah désolé. Hein. Désolé. Ah, quelle erreur. Quelle erreur du streamer français. Voilà. Bon, il y en a deux là-bas. Je crois qu'il nous attend. Nous attendent comme... C'était quoi ce bruit?
Oh, j'y vais. N'aie pas peur. Ah! Ah non, mais putain, mais c'est quoi? Ok, un de moins. Il y a une chance de revoir Duo Magique en action sur FIFA 1. Bon, moi j'aimerais bien, franchement, c'est un grand plaisir de jouer avec Hiruma. Je pense que l'inverse n'est pas forcément vrai, mais moi je kiffe beaucoup. Si, j'ai là la double lame. Je suis en difficulté, grand maître Jedi. John. Oula. Oh putain. Allez, je suis con. Je suis full con. Attention. Ok. Vous arrivez à le toucher? J'aurai ta peau. Ok, je vais la voir. Ouais. Ah putain, c'est vrai, j'ai pas vu qu'il était rouge. Oh non. J'ai besoin de toi avec. Mais non, je suis trop de soigner. Oh là là. Putain, j'ai justement je voulais me soigner quoi. Bon. Ça va, on a débloqué pas mal de raccourcis. Et salut Lucas, comment vas-tu? Merci. C'est quelque chose qui était travaillé à l'entraînement. Non mais putain, mais c'est relou. Hein. Bon. Là, je l'appelais. Pourquoi c'est fermé? Ah d'accord, ok. Allez, c'est parti. Putain. Quel timing dans le saut. L'ennemi est en haut. Putain. Il arrête pas de bouger. Ouais mais super. Enfin, plus. Ah mais ouais super. Vas-y. Comment ça? Non mais je suis pas d'accord hein. Vas-y, je t'attends mon gars. Voilà. Je me sens pas bien BD. Eh ben écoute, moi ça va bien Lucas. Alors je suis passé, il va falloir que je me refasse lui. Attendez, mais il y a un truc là-bas. Non, c'est d'où je viens. Ouais, c'est d'où je viens. Ah, t'as commencé Ancestor. Le jeu est dur. Je connais pas du tout Ancestor. C'est quoi comme type de jeu? Aïe. Aïe. Non mais putain mais il esquive aussi, c'est pas du juste quoi. Non mais. Putain, j'ai besoin de ton aide. Merci BD. Tu pousses pas les ennemis dans le vide, t'as encore sans du moins. Désolé. J'essaie de m'en sortir. Comme je peux. Ok, rends-moi ma force. Ok. Faut que je m'entraîne à faire les comptes parfaits. Voilà. Ah super. Chaque fois que je vais m'entraîner. Ok, donc ça c'est beau. On a encore un tram. Un coffre à pirater.
Ok, c'est ouvert. J'ai hâte d'avoir mon skin dégueulasse. Hé, hey, BD, là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Arcetron. Je connais pas du tout. Hiruma, Arcetron. Une info. Donc là, c'est bon. On n'a pas trop le choix, on va y aller. On va remonter par ici. Jeu de survie en moins 10 000 où tu joues les singes destinés à fonder l'humanité. C'est le jeu de survie hardcore. Une heure pour trouver les copains singes. Ça meurt. Non mais je sais pas, il y a peut-être un truc spécifique dans le lore. Moi, je connais rien en Star Wars. Hein. Si ce n'est Anakin, Princesse Leia. Bon, c'est long. Hein. Ah, je pense qu'on va arriver ici. On va. Non. Attendez. Nous sommes arrivés. Un petit point de méditation, s'il vous plaît. Ah oui. Attendez, attendez. Ah, j'ai cru que le jeu était en train de me troller. Je me repose. Pour moi, ça se passe bien. Globalement, faut pas trop de conneries. Donc là, pareil, il y a un passage. Méchant la connerie, si j'y vais. Ah non, mais c'est ce qu'on avait fait en bas. Tu nous ramènes ici. Okay. Attendez, vous êtes en train de me dire est-ce qu'on revient? Non. Non. Je croyais qu'on revenait là où on était, mais pas du tout. Rassurez-moi. Ah, c'est un hub pour passer rapidement d'une zone à l'autre. D'accord. D'accord, d'accord. Et là, je reviens exactement où je m'étais arrêté. T'as, il y a là-bas, il y a lui là-bas. T'as un appel radio. Qu'est-ce qu'il appelle radio? Attendez, mais j'ai l'appel radio qui a ça. Apparaît au poil de Cupra. Bon, ok, on va dire que c'était pas important. Allez, on va essayer de se le faire. Ayez foi en moi. Super, j'ai tout loupé. Putain, mais j'y ai paré là. Aïe. Ah, là peut-être que je n'ai pas paré. Aide-moi s'il te plaît. Ouais, mais putain. Non. Le jeu en résumé, tu es prouvé que tu es un homme des brutes. D'accord. Après, si c'est de la difficulté juste pour la difficulté, ouais, on voit. Putain. Non, en plus déjà, j'ai voulu faire mon pouvoir pour essayer de le prendre derrière et le commencer. Bien sûr, mon sabre laser était visiblement trop court. C'était un coutelas laser en fait. Ok, allez, on court. Bon, heureusement, on n'est pas très loin. Allez. Si je joue de manière intelligente. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, fort. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Comment ça, il m'a touché? Lance un steam! Putain! Non mais c'est quoi cet enchaînement?
Sale bête. Putain mais... La Steam BD. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Bon, alors, j'ai un peu utilisé la moitié de mes Steam, super. Mais c'est pas grave. Le Jotaz. Ah, il y a un truc là. Chant le secret. Oula. J'ai un peu peur. C'est quoi ces bruits? Il y a des rats. Dans l'adversité. Je suis juste venu ici pour ça. Bon, moi je sais que j'ai il y avait rien d'autre ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là à des... Est-ce que si je dois pouvoir y accéder par ici. Okay. Ah ben là aussi il y a des trucs. Il y a des trucs. Vas-y, interrompe la charge. À quoi ça servit ça? Interrompre la charge. Visite. Bon. Il y a des trucs. Qu'on fait, je sais pas encore pourquoi. Content que tu sois là, BD. Il a... je suis aveugle. Que tu veux aller là-dedans. Oh, t'as trouvé quelque chose. Hyper carapace. Attends. Donc ça j'ai fait. Alors quand il m'a dit j'étais aveugle, merde. C'était. C'était ici. Il m'a dit que je suis aveugle. Ah, en haut, d'accord. Parce que je me disais, c'est quand même bizarre. Salut Nakoromi, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te revoir ici. Quel plaisir. What a pleasure. Ah oui, ça on est d'accord. Ah oui, c'était par rapport à ça que tu m'as dit, la surcharge. Ça fait quoi la surcharge? Ok, juste surcharge. Ah si, d'accord, putain, il y avait une porte. D'accord, d'accord, non mais ouais, aveugle man. Ah mais on peut passer par ici. Non, non, mais ouais, j'avais pas vu. Parce qu'en fait, je pensais qu'on pouvait pas passer. Oui, oui, oui. Maman, j'ai peur. Ah, je sens le plan cul. Je sens tellement le plan cul. Ah, on est d'accord. On est sur la partie supérieure qui est pour le moment logique. En tout cas, l'ambiance est bien présente, hein. Franchement, la petite musique, mais pas bien à l'aise. Il est mort lui. Oui, oui, oui. Ok. Et non, ça sent le plan cul. Alors attends. Il y a un truc en bas que je peux ouvrir. Est-ce que je la joue finaude? Comment ça? Putain, je... Est-ce que je le tente ou pas? Non, je le tente pas.
Non. Mais non. Vas-y, fais le péter. Bien joué. Quel lâche. Ouais, j'ai deux Steam, mec. Attends, mais y'a un truc à faire avec ça. Putain, je peux rien faire avec ça. Ah, mais j'ai deux Steam. Putain, par contre, j'aurais dû le faire quand il... Ah ouais, non mais je sais ce que je vais faire. Putain, mais il veut pas exploser ça. Ouais ouais, non mais c'est ce que je pensais. Mais... Putain, mais faut que je monte direct. Ok, il m'a pas vu le con. Bon, déjà, je vais prendre un steam. Faut que tu m'aides. Mais ça a pas marché. Lui, c'est de la merde. Hé, BD. Mais il me balance. Oh, une... Oh. Salut Jean et Clara. Putain. Ah, je sens tellement l'arnaque. Mais attendez, déjà est-ce que je peux faire un truc ici? Sinon de toute façon je suis tout bloqué. Hein. Tu vas mourir, mais au pari je meurs pas. Bon je suis mort. Putain, bon, non, mais de toute façon, ça sert à rien que j'aille ici. Tout est bloqué. Donc, aucun intérêt à aller le tuer. Non, mais par contre, j'ai pas compris pourquoi il m'a pas proposé mon attaque piquée. Est-ce qu'il y a un jeu où tu en fous un Drakkar? Mais il a jamais fond en moi. Je me sens vraiment pas soutenu. Du coup, j'avais fait ma méditation ici. Non, ça c'était. Ah, mais voilà. Hein. Alors, par contre, moi je joue quand même un grand maître Jedi, Roman. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas, c'est la différence. C'est accessoirement également mon excuse. Bon, donc ça on a fait. Ça c'est pas bien. Ça a rien de bon pour nous. Donc on va aller s'affronter l'autre. Ce sera moins plein cul. Bon, et sinon t'as pas répondu pour FIFA 20. Y a Bobo qui te demande un. Ok, fouillons. Que j'ai intérêt à le tuer lui également. Et par contre, ouais, du coup, ciao Bambino, au revoir mon XP quoi. Bon, c'est pas grave. Roy et Bobo. Ah, la DSL qui lâche. Je connais que trop bien. Bon, je vais essayer de me faire celui-là. Ouais. Allons-y, BD. Oh là là, c'est bien. Par contre, si même les moins de trash mob ils se mettent à tous m'esquiver. Bon, je sais pas s'il y a un intérêt à le faire lui. Moi, quand même, c'est le beau jeu. Putain, mais comment il me touche? J'ai besoin d'aide! J'en étais tellement sûr qu'il allait me faire ça. Putain! Greedy!
Et du coup, comme tu joues à Red Dead, tu avais commencé il y a super tard, il y a super longtemps. Tu as toujours pas fini? Bon, aucun intérêt à le tuer encore une fois. C'était uniquement pour le beau jeu. Est-ce qu'il y a un truc là-bas? Ah, regardez par contre, j'ai pas vu. Il y a une corde? Attendez, viens quand même faire un tour. Bon appétit, Nakuromi. Ah non, mais non! Non mais... BD, Nastim, lance! Ça suffit maintenant, hein. Ah, du coup, il y a un truc ici, alors attends. Est-ce que je reviendrai pas sur mes pas? Ce sera pas impossible à me connaissant. Non, parce que regardez, il y a un truc ici. Ah ben non. Oh punaise. C'est quoi ce bruit? Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Ah d'accord, ouais, ok, non mais c'est bon, j'ai compris. Il faut mettre la charge pour qu'on puisse accéder à la partie supérieure. Très bien. Non mais c'est le plan cul. Ah attends. Ok. Aïe. Je me sens faible, BD. Moi aussi, je me sens faible, BD. Inquiète. Putain. Nique. Ah. Je ressens l'écho. Tout ça pour un écho, quand même. Ah, une essence de vie. Non, ça va. Tué lors d'une terrible catastrophe il y a bien longtemps. Secret découvert. Vite, vite. La roulade de la... Aïe. Ok, parfait. J'ai besoin d'un coup de main. Bon, on a récupéré. Il manque plus qu'une essence de vie. Et on est bien. Eh BD, on y va. Ah non, mais ils vont pas repopper à l'infini, c'est... Ah non, mais c'est insupportable. Bah non, mais franchement, ça vaut le coup, hein. Et ça... Ouais, je trouve que ça vaut le coup, hein. C'est pas un vieux skin tout moisi. Ah mais encore il y a... Ah, il y a des boucs. Bah... Désolé messieurs les boucs. Je suis sûr qu'il y a un truc derrière. Il retournera plus tard. Un droïde sonde. Il nous surveille, BD. Hey. Super. Mais grosse ambiance. Envoie. Ok. Bâtard. Allez, ça dégage. Bon. C'est... Ah ben c'est par là. La suite, c'est par là.
Encore un droïde, sonde. Tout de suite, une question de timing. Ok, allez. Barre-toi! Putain! Ah, y'a un truc à faire avec ça. Un raccourci. Ok, du coup, d'où l'intérêt de tuer celui-là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Merde. Dégage. Putain. Quelle saloperie. Bon, c'est un peu la merde, hein. Ah, mais si, je peux balancer mon pouvoir de la force. Par contre, vous avez vu, il y a un coffre doré tout en haut. Ça sent le steam. Putain. Ah, mais là, c'est chaud, quoi. Ok, je me tire. Ok, faut juste s'éloigner. Hein? Je me tire. Okay. D'accord, c'est juste une question de timing. Y a pas une esquive à faire en particulier. Alors comment j'accède à ce truc en haut? Je pense pas qu'on peut y accéder pour le moment. Je crois pas qu'on puisse y accéder. Il y a un écho là-bas. Est-ce qu'avec... Je sais pas avec le... Non, je pense pas qu'on puisse couvrir sur les murs. Non, il y a un mur invisible. Il y a clairement un mur invisible. Bon. Au pire, on y retournera. Je ressens l'écho. Oh, niveau de santé maximale augmenté. Ah là, par contre, secret. C'est un sabre laser qui a tué le commandant. Ok, bah encore une augmentation de la jauge de vie. C'est nickel. Donc là, ok, ça va activer ça. Est-ce qu'il va se décider à me rejoindre? Ok. Chanter la connerie. Arrivé. Ok, il peut le refaire. Est-ce que ça m'intéresse d'aller de l'autre côté? Attendez, il y a un truc vert. Ah, c'est le truc de surcharge. Ok, pour le moment, ça va. Ça va, ça va. Rien d'autre. Ok, encore un truc avec le tram. J'appelle ça le tram des profondeurs. Parce que ça me rappelle le tram qu'il y a dans World of Warcraft. Je crois qu'on se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Super, quel humour. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ah, est-ce que ce serait pas une sœur de... Ça, je crois que c'est sœur de la vie. S'il vous plaît, un point de sauvegarde. Parfait. Juste que ce que je voulais. Je me repose. Allez, nos 5 steams.
Qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a des Stormtroopers. Elle veut surcharger. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ici? Non. Ok, pourquoi tu veux surcharger? Si, attendez, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça a activé quelque chose? Bon, je vais mettre dans... à l'opposé. Je pense que ça peut nous servir éventuellement. Salut Albérec, comment vas-tu? Ok. Oh putain, deux droïdes de sécurité. Attention. Oh punaise. Je finirai par l'avoir. Ok. Il faut... Je le tiens. Non mais par contre... Ah non mais le ciblage, au secours. Il est inutile de résister. Esquive détectée. Ok, ok. On va essayer de jouer. Être futile. Vos chances de survie sont infimes. Ah, j'ai dû changer de... Ouais. Ah. Super. Incapable. Alerte système. Ah. Piètre résistance. Coup porté à l'adversaire. Ok, je vais peut-être reprendre mon sabre laser classique. On va le pirater. Ok. Du coup, est-ce qu'il va attaquer l'autre unité? Blessure infligée. Aïe. Coup analytique. Ok, stop entre eux. C'est bon. Ok, mais arrêtez de vous taper, hein. On est tous des amis. Allez, une petite amélioration. Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter dans l'autre sens, je parie. Les tyroliennes. Ah, mais ça va être intéressant. N'est-il point? On doit pouvoir atteindre le tombeau. Ah, voilà. Ah, mais ça fait plaisir. Donc on a fait ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Non, ça c'est bloqué. Je vérifie rapidement. Tu veux bien me lancer un steam? Au travail. Ah mais tyrolien double action, ça va être cool. Par contre, il va y avoir plein de trucs à explorer, notamment. Moi, il y a des endroits qu'on pouvait pas, maintenant à pouvoir se permettre. Et voilà, du coup, on va pouvoir remonter par ici. Quel plaisir. Et du coup, alors, l'intérêt, voilà, surcharge. Comme ça, on remonte. Donc là, je vais aller méditer un petit coup. J'ai un peu me reposer d'ailleurs. Bon, bref. Et alors, allez où la tyrolienne? Double action. Qu'est-ce qu'il a? BD, j'aurais besoin de ton énergie. Ah voilà. Très bien. Non, c'est quand même pas mal parce qu'il y a assez souvent des petites améliorations qui sont proposées. Et l'exploration, du coup, elle en est que plus intéressante. Alors, j'en étais sûr. Mais j'en étais sûr, c'est obligé, hein. Putain, on est d'accord, j'ai tout soupé, quoi. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, faut insister. Ils sont sérieux? Aidez-moi à le battre. Tire de suppression.
Aïe. C'est un tel coco. Eh oh, on se calme. BD, Steam. Ouais, mais Steam. Bon, j'ai besoin de toi, BD. Bâtard. Tu vas avoir affaire à moi, okay, maintenant, bon. Jedi. Bon, ça va, bon, on s'en est sorti, les gars. La pousser, ouais, c'est vrai, je pourrais les pousser dans. Ok, l'ascenseur peut pas être appelé, c'est vrai. J'ai besoin d'aide. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, ça, je. Là, est-ce qu'on a un truc? Attendez, on peut remonter par ici, ça veut dire. Est-ce que. On va tester ça, mais. Globalement, ça s'ouvre ici. Il y a quand même cette tyrolienne qui me. Comment ça? Oh non, mais. Ah, attends. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Je pense qu'il faut se jeter. Non! Ah, ben non, super. C'était un truc pour revenir. Par ici, BD. Ok, super. Mais comment ça? Comment ça? Je loupe mon saut. Ah, je l'ai fait trop tard. Faut sauter un peu avant, il y a un secret. Est-ce que je te fais confiance ou pas? Mais j'ai besoin d'un coup de main. Putain, mais là, je sens que je perds tout. Il y a un secret, tu m'as dit. Mais je peux pas sauter en cours, attends, j'aurais tenté un coup, mais. Sur la poutrelle, attendez. Mais je vois rien en fait, ça le problème. Attendez. Sur la poutrelle. B. Ah non, c'est un smiley. Je sais pas, ça me paraît bizarre ce truc. Hein. Ça me paraît. Oula putain, il fallait faire une roulade. Tiens, attendez. Ouais, là il y a un truc. C'est un B. Je retente. Ah putain, il fallait appuyer sur B, je crois qu'il fallait appuyer sur A. D'accord. Ah, bien joué. Bien joué. Capitaine, on a trouvé le moyen d'entrer. Ah oui, en plus. Un Stormtrooper s'en est servi en fouillant la zone. Un coffre on doré. Il a réussi à trouver l'entrée du tombeau. Bah oui, mais je croyais que tu faisais un smiley. Parce que Mary, elle fait souvent ce smiley. Prêt pour un du autre coup, j'ai cru que c'était un smiley. Et c'est parti. Son smiley tête de lapin. Je suis pas Mary, putain. Désolé, Roma. Allez, on en a 6. En plus, ça nous a rechargé les 6. Oh là là, ok. Quel plaisir. Ah, par contre, celui-là, franchement, je vous l'avoue, je l'aurais pas trouvé. Alors, est-ce qu'il va. Ah, mais non, c'est le plan cul, quoi. Ah non, ça va. Ça va. 6, ça commence à être pas mal. Allez, BD. Je vais tomber. Par contre, là, je risque de tomber, peut-être. Eh bien non. Trop de skill en ce Jedi. Alors. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, là il y a un truc. Ok, je peux pas y accéder pour le moment.
Là, il y a un truc. Ok. Qui m'attaque? Ah, mais bien sûr. Qui m'attaque? Super. Hey, BD. La vie, c'est de la merde. Vas-y, viens. Ok, interrompre la charge. Petit raccourci. Et petit et écho. C'est quoi ça? Activation du gardien. Bon, est-ce que ça ne donnera pas des indices sur le... Ouvre le feu. Sur le boss qu'on va rencontrer? Pousser. Poussez, madame. Ah, maintenez pour repousser les ennemis plus loin et plus fort. C'est pour ça que je maintenais. Salut Louviane, comment vas-tu? Oh. Je prendrai ta vie, Jedi. Tu ne fais que retarder ta destruction. Un autre Steam. Oui, non, mais c'est pas du jeu, hein. Saigne. Meurs comme les autres. Tu es faible. C'est toi le faible. Oh. Parade parfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Bloque tant que tu peux. Tu ne fais que retarder ta destruction. Bêtère. Ah, vous avez vu comme je suis fort? Ok. Donc ça, c'est bon. Ah, pour pousser les ennemis dans le vide. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. C'est pas con quand on y pense. Le problème, c'est que moi, j'y pense pas, quoi. Merci du coup de main. Attendez, là, il y avait un truc. On l'a vu. Une trousse à outils. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Louviane? L'ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Bon, ça on a fait, ça on a fait. Ben voilà. C'est par là la suite. Attendez. Ok, là c'est déroulé, donc je peux pas y accéder de l'autre côté, c'est ça. Faut que forcément que je passe par là. Ah d'accord, là-bas. Ah putain, je voulais choper la truc en haut. Bien sûr, je me suis fail. Sinon, c'est pas drôle. Ah, il faut peut-être que je le fasse plus tôt en fait. Un Steam BD. Par contre, c'est clair que c'est dommage de gaspiller des Steam. Putain, non mais je le fais mal, hein. Ah bah je peux le faire avec la corde peut-être. Ah bah oui. C'est plus simple de le faire avec la corde. Mes hommes vont redoubler d'efforts. On y arrivera, officier Crane. J'ai terminé toutes les premières planètes à 100%. Je suis la dernière curieuse de connaître la fin. Ah bah... Alors visiblement Hiruma a dit que la fin était assez cool. Donc bon, si Hiruma dit ça, on peut lui faire confiance. Alors, est-ce que je peux m'agripper à ses racines? Je pense que c'est ça. Oh, je sais pas si c'était scripté comme ça. Mais on a eu chaud.
Eh ben voilà un petit point de méditation. Ah non, c'est pas passé loin, en effet, ouais. C'est la chatte à Dédé. Ah si, je vais me reposer par contre, oui, je vais me reposer, excusez-moi. Tiens, justement, Iruma, il y a Yabobo, il m'a dit ça serait cool de faire les KOTOR. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Alors, attendez, là, il y a un truc. Est-ce que je peux m'agripper? Non, c'est rouge, on est d'accord. Ah, de toute façon, en plus... Ah, ouais, là, ça sent le combat. Ils sont cool, ben, tiens, je les ferai peut-être après ce Star Wars, s'il y a... Il n'y a pas de sortie. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a un peu en bas ou pas? Bon, ça sent... Moi, je suis convaincu à 100% boss. Bon, mais on fera les KOTOR après. Cal Kestis. Comme c'est prévisible. Oui, oui, oui. Ah oui. Je connais ton nom. Ton passé. Mais je connais surtout... Un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Dans ton cul. Incroyable. Bon. Ce n'était rien. Alors qu'est-ce qu'elle va nous préparer? J'essaie de regarder un peu son pater. Ah, elle est contre en plus. Tu n'es pas de taille. Bon, son pattern celui-là il est assez facile, assez prévisible. Aïe. Ok. Étonnant que ton maître soit mort. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai vu qu'elle était régène. Qu'est-ce qu'elle veut? Pitoyable. Arrête de bouger. Je te détruirai comme les autres. Aïe. J'ai besoin d'un steam, BD. Tu n'es pas de taille. Ah putain, je me suis fait bien avoir. Et vas-y, fais souvent ça. Tu n'étais rien. Ça c'est plus facile à esquiver. Ah putain, je suis naïf. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Aïe. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Tu es Trilla.
en chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi? Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Salut Vengeance, qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son Padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Ok. Ok, ok. Donc là, on est où? Ok, c'est bloqué. On va essayer pas de se faire avoir. Là, on a vu qu'il fallait sauter. On est du coup dans le temple. Salut Corpi, toujours sur la même partie, c'est-à-dire sur la même partie. Là, on est retourné à Zepho pour l'histoire principale. Mais sinon, ouais, je suis toujours sur ma partie en grand maître Jedi. Toujours la même, ouais. Le temps, on n'a pas beaucoup eu le temps de jeu, hein. Je crois qu'on doit être à 8, peut-être 10 heures là. Du coup, comment ça va? Alors, attendez, j'observe un petit peu. Voilà, on est dans... Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. Ah non, non. Steam, BD. Ah non, j'ai pas changé le niveau de difficulté. C'est vrai que, bon, je sais pas, ça m'a paru assez simple le combat. Alors, je pense que c'était surtout du scriptarium. Hein. Mais, ouais, non, toujours en mode grand maître Jedi. Après, franchement, je trouve pas le jeu si compliqué que ça. Je fais beaucoup de conneries. Mais globalement, y a rien de bien dur. Alors, comment s'appellent les... Attends, je vais te montrer parce que je me rappelle pas. Je sais qu'il y a... Chevalier Jedi. Tout repose pas, surtout. Ouais, non, c'est trop facile. Attends, je vais te montrer. Alors, c'est dans paramètres. Jouabilité. Donc, t'as grand maître Jedi. Alors, attends. Grand maître Jedi. Ah, mais je peux pas changer. Parce que je suis en grand maître Jedi. T'as grand maître Jedi. T'as chevalier Jedi. Ah non, maître, grand maître, maître. Ok, voilà. Du coup, histoire qui est le plus facile. Chevalier qui a le normal. Maître qui doit être le difficile. Et grand maître Jedi, voilà, qui est le très difficile. C'est un combat là. Ça m'étonnerait pas. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau. Tombeau de Mithroul. Mais ça me plaît pas. La musique qui s'excite pour finalement pas grand chose. En tout cas, tu joueras certainement un chevalier quand je prendrai le jeu. Alors, je sais que j'en ai parlé à Mary et elle m'a dit que comment ça s'appelle le mode histoire, bah ça aura pu lui convenir parce que moi c'est dynamique, donc après c'est vraiment à toi de voir ce que tu veux. Mais 2-0 pour Zenith, ah quel plaisir. L'architecte a un truc à compenser, je pense. Ouais, je pense. Alors c'est B pour descendre. Je l'ai trouvé.
Mais... serré. Ah, et du coup, c'est serré. Pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que c'est une menteuse. Comment ça se fait ? Qu'elle nous parle ? Comment ? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serré que je n'ai pas perfectionnée. Du coup, c'est serre qu'il faut prononcer, c'est ça ? Comme ça, moi, qu'on apprenne un truc. Vu qu'on joue en VF, dégueulasse. Sire. D'accord. Oh punaise. Ah ouais, non mais... Là, c'était... C'est mal parti, hein. Dès le début, j'ai senti que ça allait pas le faire. Ouais, alors on peut sélectionner, mais je crois qu'il faut télécharger le jeu en... En anglais, quoi, si tu veux jouer en version anglaise. C'est ça, Hiroma ? Ah non, mais par contre, technique... Alors, mais grosso modo, c'est réaliste parce que... Comment ça s'appelle ? Notre mentor, il a aussi des gros yeux. Par contre, elle a surtout forcé sur le maquillage. Ah, c'est ça, faut installer le jeu en anglais et mettre la langue des textes en français. Ah, des Stormtroopers. Ah, un petit gardien. Ça faisait longtemps. Est-ce qu'il a les mêmes patterns ou pas? Ah putain, ouais. Ah, sauf que... Vous êtes gentil, mais... Faut bien repérer. S'il a son pied chargé d'énergie. Ah ouais, ça j'ai senti l'arnaque. Aïe. Oui. Eh. J'ai besoin de toi. Ah putain, je suis trop con. Putain, j'ai réussi à crever, hein. Mais comment ça? Est-ce qu'il a explosé ou pas? J'ai besoin d'aide. T'es rapide. T'as débloqué l'attaque lourde. Je crois que j'ai débloqué pas mal de trucs auxquels j'avais accès. Sabre laser, ralentissement. Ah, j'ai peut-être pas l'attaque lourde. Pourtant, c'est bizarre. Arme des compétences. Attaque chargée. Combo retardé. Frappe sautée. Frappe haute. C'est dommage, d'accord. La frappe haute, tu l'as? Ok. Mais c'est vrai, j'utilise. Ah. Moi, j'ai tendance à vraiment pas trop utiliser la force. Attends, du coup, frappe haute, c'est quoi? Ah oui, si, Y, quoi. Ouais, bah, je crois que j'étais obligé de le débloquer de base. Allez, un PV. J'espère qu'il n'y a pas une énigme. Bah ouais, non mais je l'utilise uniquement pour ça, tu vois, surtout l'attaque qui permet de ralentir. Euh...
Oh putain, une énigme. Qu'est-ce que c'est ? Mon ami. Ah merde. Il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Oh non. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Bon. Ben bon courage, hein. Ah, par contre, il y a un truc de méditation, donc ça c'est nickel. Regarde l'heure parce qu'il y a bientôt Burger Quiz, faut pas déconner, hein. Donc une belle énigme. Bon, mais ça prend mal. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai quand même réussi l'énigme de l'arène haut de Pokémon d'une brillante manière. Attendez, j'ai envie de. Parce que là, on voit des trucs. Est-ce que je peux tester ce que ça donne si j'essaie de sauter? Non, attendez, ça fait rien. Ah, c'est uniquement avec ces boules. J'essaie de comprendre. Ah, ok, donc c'est à dire. Bon, je pense que c'est surtout pour nous expliquer le principe d'aimant. Les murs sont le sol et le mol et le mur. Ah, c'est compliqué déjà. C'est fini défaite de l'OL. Je suis bien content. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pourquoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. Elle meurt. On dirait que Cordova les aimait bien, ces effaux. Peut-être au point de cacher l'holocron parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Attends. Je le vois. Oh, il tremble de peur. Ah bah, visiblement, je tremble de peur. Mais oh, mais c'est quoi ce gant? Pas tout seul. Ah, j'essaie d'utiliser un peu plus la force. Ah putain, encore ces boules. Secours. Oh. Au secours. Ok, donc j'ai fait tomber ce cube. Attendez, je... Ok, je fais ça. Ok, ça a juste fait tomber. D'accord, je m'imagine un truc plus complexe. Pas du tout. J'ai un passage ici également. J'ai un passage ici. Je pense que je peux sauter là. Hop. Ok, il y a un truc ici. Ah là, il y a un truc auquel je peux pas. Ok. Je fais pas attention au trou. C'est une belle phrase, hein. Non, mais j'ai pas résolu l'énigme, mais j'explore. Non, mais. Je pensais que du coup, il y avait un truc à faire justement avec l'attraction. Pour la réactiver avec le timing et jouer avec. Ok, donc là je peux pas. Non, mais j'ai bien cru que j'ai pas cru que je l'avais résolu. Attendez, là il y a un truc. Non, on peut pas activer. Ah, il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, scan. Bien joué. Bravo. BD1. Ok, donc on a fait ça. Donc ça nous permet d'accéder à cette partie. Ok. Oh punaise. Mais je t'ai vu toi, mec, hein. Est-ce que ça vaut le coup que je l'affronte?
ou je fais le lâche. Pour le moment, je fais le lâche. Donc, ok, on a ça. On a un passage. Bon, en tout cas, il m'a pas vu l'autre. On réussira jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient les squads. Ok, donc ça on peut pas y accéder. Non mais ça coûte trop cher à pousser. Alors que je peux juste faire ça. Ah c'était pour faire plaisir à Hiro. C'est très compliqué d'être streamer. Faut faire plaisir à tout le monde. Même. Ok. Pour le moment. Est-ce que je reviens sur mes pas? Non. Est-ce qu'il y a des trucs à explorer? Oh putain, pareil j'ai eu chaud hein. J'ai eu très chaud. Ok. Ça c'est jouissif de tuer les ennemis grâce à l'environnement. Non. Putain mais j'ai pas fait j'ai la besoin de ton aide. J'ai pas fait la roulette dans le bon sens. Putain, il y a plein de trous. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Tu as peur de m'affronter toi-même? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun. Je suis pas d'accord, j'étais en train de te défoncer. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. C'est moi qui allais la tuer. Qu'est-ce qui est tombé? C'est quoi qui est tombé, vous avez vu? Ah, c'est pas mal aussi comme ça. Si t'avais pas tourné la caméra dans tous les sens, t'aurais vu. Ah, excusez-moi, hein. J'observe. Non, franchement, en plus, je vous avoue, j'ai pas vu. Bon, ben, je saurais pas. De toute façon, au pire, j'appuie sur le bouton. Ah, d'accord, c'est le truc. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, allez. Pas de panique. Ok, maintenant, je fais ça. Mais c'est ça, mais c'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est vraiment pas de chat. Je passe à l'attaque. Écartez-vous, je m'en charge. C'est pas possible. Et voilà, bim. Il utilise ses pouvoirs, hein, ouais. C'est...
Je ne fais qu'un avec la force. Là, il y a un truc. Est-ce que je pense que si je saute, me faire défoncer. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Il est où ce Purge Trooper? Ah ouais. Ah ça y est, je l'ai vu. Je crois qu'il m'attend. Je prendrai ta vie. Mais par contre, attendez, j'étais pas prêt. J'incarne la volonté de l'empereur. On a peur, Jedi? Non. Je ne m'inclinerai pas. Comment ça se... Putain, ouais, mais... Attendez. Je vais peut-être faire le meilleur move de ma vie. Ah non. Ah ça, c'était beau. Ah, c'était magnifique. Magnifique. Vous avez vu ça? Hop. Ah, c'est trop facile comme jeu vidéo. Là, Shanky Roma est fier de moi. Ok, donc on... Merci à Bobo. Bon, c'est par contre... Incroyable, quand tu utilises tes pouvoirs, ça passe mieux. Ah, mais il faut pas utiliser de la force à n'importe comment. Bon, attendez. Là, on était dans la situation d'origine. Donc là, je pense que l'intérêt, c'est de faire ça pour accéder de ce côté. Putain, mais quel connard. Et c'est ainsi. Non, mais c'est pas possible. J'ai besoin d'aide. Attendez, est-ce que c'est moi qui suis full teubé ou... Ou je peux pas passer par là? Ah, c'était moi qui étais full teubé. Bon, est-ce que ça choque quelqu'un? Je ne pense pas. C'est ça, mais... Alors. Un Jedi? Ici? Attendez. Je vais faire la même. Dégage! Va des rétros, sale ananas! J'utilise tout le temps mes pouvoirs maintenant. Comment je fais pour y accéder? Je savais que ça allait faire kiffer, Romain. Dégage! Là, j'active. Allez, on ferme la porte. Du coup. Ouais. Mais. Donc là, je peux accéder. C'est tout ce que je peux faire. Donc, non. Est-ce que ça a un intérêt? Ah, si, peut-être passer par en bas. Peut-être. Non. Et attendez, ça repop, on est d'accord? Est-ce que je peux pas utiliser la plante pour la pousser dans l'autre sens pour qu'elle pète? Ah, j'en étais sûr. Ah, je suis pas si con que ça. Allez, un bon truc, s'il te plaît. Une essence de vie. Il faisait partie des ouvriers qui ont construit ce tombeau. Il est mort avant la fin des travaux. Alors. Ça, je suis assez fier de moi. C'était pas évident. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Parce que là, je suis bloqué si je fais ça. Et en même temps, ils nous ont mis le truc. Est-ce qu'ils me voient? Eh ouais, 200 cuits. C'est vrai.
Par contre, là, 200 QI, il est un peu bloqué. Ça va prendre un moment. Parce que mais de toute façon, si on mise ça, il faut que je l'active. Ah, faut peut-être que je revienne en arrière, en fait. Je pense qu'en revenant en arrière, ça peut-être débloquer un passage. Je ne vois pas d'autre solution, votre honneur. Ah bah, visiblement pas du tout. Dégage. Ah d'accord, ok. Avant qu'ils comprennent qu'il faut ralentir le truc. Visiblement c'était ça, ouais. Visiblement c'était ça. Ah putain, j'ai plus de force. J'ai tout gaspillé. Plus vite que je pense. Alors je sais pas si je dois prendre comme un compliment ou comme une insulte. Ok, donc là. Ok, vas-y, crame-les. Est-ce qu'il va quand même réussir à les tuer si j'attends ou pas? Ou est-ce que c'est juste du script et ils mourront jamais? Ah si, il les a tués. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ok, ça c'est facile. Tu pouvais pas grimper sur les racines en arrière? Ah ben, peut-être. Mais j'ai regardé, mais j'ai pas l'impression qu'elle mène à quelque part d'intéressant. Regarde où elle mène. Si c'est celle-là dont tu parles, Alberic. Ça, je sens l'arnaque. Ah non. Comme quoi, je suis médisant avec moi-même. Bon, je regarde là, ne vous inquiétez pas. Ah, super. Je vais tenter ma strat qui m'a rendu célèbre. Non, c'est bon. Je tue comme ça. Trop facile. Imagine les artefacts que l'Empire aurait manqué sans ton intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine? Ah d'accord, j'ai compris. Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers, rien d'irremplaçable. Mais est-ce que ça va revenir cette connerie? Tu es un monstre. Je suis ce que Céré a fait de moi. Attends. Donc, si je fais ça... Ouais, ok, c'était bien ça. Alors, on peut aller en bas ou en haut. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Pourquoi on accède à cette partie? Non, on est d'accord, ça fait rien. Ok, par contre, on peut défoncer ça. Ah, super! Tu
pourras pas tout éviter. Ok, je vais essayer de l'amener ici. Ah mais calme-toi. Courir ne sert à rien. Ah mais Nick. Je te vois. Non. Un autre Steam. Tu ne peux pas échapper à l'empire. Par contre, tu commences à me saouler. Mais Nick. Non. BD, un Steam, lance. Bien joué, sale bête. Oh merde. Ah, je suis trop con. Un Steam BD. Là, je joue tellement mal, c'est horrible. En fait, dès qu'il y a plusieurs ennemis, c'est panique. Ils ont fui le Purge Trooper, bah heureusement. Parce que sinon j'allais me faire défoncer. Électro-bâton. Bon. Là il y a un passage. Ils indiquent qu'il y a un passage. Faut que je le trouve. Mais par ici. Idiot. Oh, sa maman en 4. Bêta. Je tire sur l'ennemi. Je crois que je vais arrêter là. Oh, visez, tirez. Tu vas regretter ce que t'as fait. Ok. Hein, je t'aurai. Mais... C'est bon. C'est bon. Donc là, voilà, la grande porte, elle est barricadée. Bon. Ça veut dire... passer par là. La logique. Ouais, mais je suis bloqué ici. Je suis bloqué de toutes parts. Mais non, il y a juste une porte que j'ai pas débloqué. Bon, 21h08. Hein. 21h08. Comment je fais pour revenir? Est-ce que je peux revenir par ici? Attendez, là y a un truc qui va pas. Je peux pas revenir par ici. Ah si, peut-être. Est-ce que je peux pas passer par là? Voilà. J'ai rapporté l'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Dommage que tu sois arrivé trop tard. Peu importe ce que tu as volé, tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Ok, prochain point de méditation, tu me dis d'arrêter, parfait. Je fais ça. Je vais me soigner. Steam BD. Donc là, on est d'accord, ouais, je peux rien faire, c'est rouge. Mais là, j'ai l'impression d'être coincé. Ah non, je suis pas du tout coincé, j'ai pas vu. Ah désolé, je fais pas attention. Est-ce que là... Punaise. Non. Quel connard. Ah. Super. T'as, si je meurs sur une phase de plateforme... Là, est-ce que je peux arrêter le truc? Ouais, je peux arrêter le mécanisme. Quel intérêt de faire ça? Ah, d'accord.
Ok. J'ai débloqué ça. Il y a un passage. Je peux pas grimper là-dessus. Attendez bien. Ah si. Eh, c'était pas forcément évident. Ah non mais là clairement liposuction gratos. Hein. Oh, putain. Bon j'espère que on va bientôt arriver à un point de méditation. Ah parfait. Du coup. Point de méditation. Mais on va arrêter ici. Vous savez quoi? On va arrêter là. Je vais me reposer. Deux points de compétence. Genre je vais peut-être prendre mes points de compétence. Je vais peut-être attendre. Je pense qu'on va débloquer une nouvelle compétence. Et du coup ça va nous permettre d'avancer dans l'arbre de compétences. Donc je vais garder mes points de compétences disponibles. Voilà, donc regardez ce timing parfait. Avec ce stream, aucune chance de louper Burger Quiz. En tout cas, merci à tous d'être passés. Le taux de mort par stream a drastiquement chuté. Et ben, j'en suis bien content, Alberic, tu vois. Ça me fait plaisir. Parce que t'as à te faire chier à compter toutes les morts, hein, Alberic. Là, c'est plus digne... D'un Jedi, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Des bisous. Demain, je sais pas ce qu'il y a. Si, avec qui vont faire le We Were Here ou du Pokémon. En tout cas, voilà. Vous serez tenus au courant. Je vous balance un petit peu de pub parce qu'il faut bien vivre. Et sinon, bonne soirée à vous tous. Et merci. Des bisous. Bye bye.